Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors tu as déjà terminé ton bijou mais tu ne sais pas comment faire la finition, la tâche, la bellière ou bien encore le passant? Eh bien cette vidéo est faite pour toi et je vais te montrer comment finaliser ton bijou dans les moindres détails. Enfin presque, je vais te montrer seulement ce que je sais faire. Cette vidéo n'est qu'un exemple et il existe encore bien d'autres façons de faire, je te montre juste quelques astuces. Alors comme tu peux le voir ici maintenant, j'ai déjà réalisé mes bijoux et certains sont déjà cuits, d'autres encore crus. Et maintenant, on va pouvoir passer à la tâche de ton futur bijou. Donc on va commencer par le premier qui n'est pas encore cuit, il est encore cru. J'ai fait une petite pastille avec un Mika Shift et donc on va fabriquer une petite attache pour ce petit bijou. Enfin, ce futur bijou. Je me sers de mon plat à escargot et je viens le poser dessus pour lui donner un côté bombé. Et maintenant, tout simplement, avec l'emporte-pièce de votre choix, donc moi j'ai choisi un petit rond pour rester dans le rond, et bien je viens faire un trou en haut. Il n'y a plus qu'à passer ça en cuisson, et pour finir, mettre un ruban autour du trou. Donc pour le bijou suivant, il est déjà cuit, donc je vais lui faire une petite semelle. Alors pour ça, je rajoute de la film liquide à l'arrière et je rajoute de la pâte. Je découpe grossièrement tout autour. Et avec une mousse quelconque, eh bien on vient faire un effet de texture. D'ailleurs, la texture peut aussi changer et je vais vous montrer ça dans les autres exemples. Donc je viens bien rabattre sur les côtés pour que ça ne fasse plus qu'un. Et je vais venir découper le surplus. Je viens bien lisser les bords. Moi je préfère quand les bords sont lisses. D'autres préfèrent quand ils sont texturés, donc après c'est comme bon nous semble. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la tâche. Donc je reprends de la pâte noire pour aller avec. Hein. Logique, c'est mieux. Enfin, je ne l'étale pas trop finement. Et maintenant, je viens prendre un morceau de paille à boire que j'ai coupé en petits morceaux et je vais enrouler ma pâte tout autour. C'est extrêmement facile d'enlever une paille après cuisson parce qu'elle se plie facilement. Donc c'est l'idéal pour ce genre de bijoux. Ensuite, je rajoute un peu de film au liquide pour que ça tienne bien après cuisson et j'ai plus qu'à la placer sur le bijou. On essaye de bien faire adhérer. Et il n'y a plus qu'à passer tout ça en cuisson. Il n'y aura plus qu'à passer un ruban ou une chaîne à l'intérieur et le tour est joué. À ressort. Des serre-fils, je sais qu'il y a plusieurs noms à ce genre de choses. Pour moi, c'est des embouts à ressort et puis c'est tout. Voilà. Donc, je viens rabattre le petit morceau qui dépasse, juste avec une pince. Pour vous montrer la différence. Donc, je viens réaliser ma semelle, encore une fois. Et à l'intérieur de ma semelle, eh bien, je vais tout simplement enfoncer mon embout à ressort. Un peu de film au liquide à l'intérieur pour pas que la tâche bouge par la suite et le tour est joué. Translucide, et ben je vais rester dans le translucide avec de la pâte translucide.
Et je vais lui faire une attache de la même façon que tout à l'heure, avec un morceau de paille. La tâche sera légèrement différente de tout à l'heure. Pour celle-ci, je rajoute une petite texture mousse. Mais je pense que ça s'est vu, le bijou est déjà cuit. Et comme précédemment, pour servir de colle, je rajoute un peu de fimo liquide. Et le tour est joué, il n'y a plus qu'à passer ça en cuisson. Je vais encore utiliser une petite pastille qui est déjà cuite et on va venir faire l'arrière du bijou. C'est logique parce que c'est le principe de la vidéo. Donc cette fois-ci, pour faire l'arrière du bijou, je voulais changer, je voulais vous montrer une autre façon de faire. Je ne vais pas utiliser une mousse mais plutôt une plaque de texture. Le principe reste exactement la même chose. Donc là c'est une pastille un peu bombée, c'est un tout petit peu plus compliqué mais c'est rien de bien grave. Rien de bien méchant. On enlève l'excédent. Et maintenant, on va pouvoir réaliser la petite attache. Donc pour ça, je vais utiliser un tout petit piton. Je garde la même couleur de pâte. Et je viens réaliser une petite bouboule, tout simplement. Toujours un peu de fimo liquide à l'endroit où il y aura l'attache pour pas que ça bouge par la suite. Et il n'y a plus qu'à faire comme les images le montrent. Il n'y a plus qu'à passer ça en cuisson. Pour le bijou suivant, je réalise une nouvelle fois une semelle. Et encore une fois, on va faire une attache avec un morceau de paille. Les attaches avec la paille, c'est un petit peu toujours le même système, mais c'est quand même des façons différentes de faire. Pour le bijou suivant, c'est ce que je préfère, c'est ce que je trouve de plus joli. On va utiliser des béliers à pinces. Donc il existe plusieurs modèles différents.
Et donc pour le coup là il n'y a vraiment rien de compliqué. Je me prends ma bélière à pince, je l'ouvre et je pince. Et le bijou est déjà fini. Pour le bijou suivant, c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que c'est vraiment un gain de temps et c'est vraiment très très pratique. J'utilise des œillets qu'on utilise logiquement pour le scrap ou pour toute autre chose. Mais moi je m'en sers pour faire des bijoux. Voilà. En ce qui concerne les apprêts que je vous ai montrés dans cette vidéo, la plupart du temps j'achète sur la boutique Eleclair ou New Wonderland ou alors chez Cultura directement. Mes œillets viennent de chez Cultura par exemple. Là, rien de bien compliqué, je prends mon œillet et je viens directement le mettre dans la pâte. Et pour que l'œillet tienne bien, soit je rajoute de la fimole guide avant cuisson, ou bien alors de la super glue après cuisson. C'est au choix. Et le tour est joué. Donc pour ce bijou-là, la pâte est encore crue. Encore une petite pastille crue qui n'est pas encore cuite, et bien on va venir faire la petite attache. Pour cette technique là je vais utiliser une technique assez différente de ce que je vous ai montré jusqu'ici. On va essayer de faire une petite découpe sympathique. Et pour l'arrière du bijou, je vais utiliser un anneau que je viens laisser déborder et je vais rajouter un morceau de pâte. Et du coup, j'ai préféré laisser ma pâte lisse pour ce bijou-là. Suivant, et bien on va encore faire une bélière avec un morceau de paille. Et cette fois-ci, la bélière, on va pas la mettre derrière le bijou, mais plutôt au-dessus. Donc là, faut bien que ça adhère. Donc pour ce bijou là, je vais tout simplement utiliser des bélières à collier. Il en existe plein de sortes différentes, donc après voilà, c'est suivant ce qu'on a sous la main aussi. We'll be right back.
Et donc voilà, je vous ai montré 11 manières différentes de réaliser l'arrière du bijou, les finitions, la bellière, etc., etc. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, eh bien, je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye.